aujourd'hui les amis, dans cet épisode de Blood Fruit, j'ai trouvé un fruit vraiment très très cheaté par terre. J'ai pas envie de vous spoil, et donc vous savez quoi, vous abonnez, vous likez, et c'est parti. Vous savez quoi, mon premier objectif je pense est de passer niveau 100. Parce que là franchement vous allez le voir. Et oui, aussi j'ai récupéré, voilà, mon petit short. J'en avais marre d'être en calbar. Mais regardez-moi ça les mecs, vous allez halluciner. En gros, je peux simplement prendre une petite quête. Je vais carrément prendre les officiers du désert qui sont quand même niveau 75. Donc en soi ils sont quand même assez forts. Tu veux quoi toi Zerma là? Eh hey, casse-toi de là là. Dis-moi comment je marche. Dis-moi comment j'ai une dégaine de ouf. Et bref les mecs, c'est pas tout parce que regardez-moi ça. En fait, je peux farmer d'une vitesse à peur. Tu as extrêmement peur. En fait, regardez, il me suffit de taper simplement une personne par une personne. Bon, il faut que je fasse gaffe quand même de pas me faire découper parce qu'ils peuvent quand même très mal, mais logiquement quand je les frappe ils se regroupent et là je frappe simplement dans le vide et je vais les tuer en long terme. Donc en fait dites-vous que je peux limite même tuer des niveaux 300. À un moment je farmais des mecs niveau 300. La massue est une dinguerie totale. Je vois pas pourquoi changer. Regardez-moi comment c'est trop fort. En fait je recule, je tape et je les tue. Et en plus comme vous pouvez le voir à gauche je gagne quand même 65 000 d'XP. Donc bam et voilà, on les tue en toute simplicité. On va passer niveau 82, 83 en détente. Maintenant j'en tue simplement deux et c'est terminado mi poto. Donc toi tu meurs, voilà. Et maintenant c'est à ton tour. Je vais t'achever comme ça et boum. Et voilà. Bon par contre regardez-moi ça, je pense que j'ai un petit peu abusé, mais j'ai tout mis dans l'épée, j'en ai rien à faire. 196 de niveau d'épée. Bon, il faudrait aussi potentiellement que je prenne un genre de remboursement, parce que là bon j'ai quand même mis des points dans la mêlée alors que j'utilise pas, c'est pas fou. Mais là je pense qu'on va un petit peu partir à l'expédition là, il faut qu'on aille découvrir d'autres contrées. Après je sais pas si je peux accepter d'autres petites quêtes. Est-ce que lui je peux le tuer lui? Arrête. Ouah mais c'est un taré mental. Arrête. Moi je fais super mal. Après en vrai de vrai les mecs, est-ce que je devrais pas essayer de l'achever? C'est quoi ici là? Je pense pas que c'est lui hein. En vrai il a l'air de faire quand même pas mal de dégâts hein. Je sais pas si c'est très intelligent de le prendre en front comme ça là. Il faut que je vois. Il faut que je vois ce que je peux faire. Est-ce que je peux le faire? Oh non j'ai loupé. Est-ce que je peux le... Arrête ouais, j'ai fait trop mal. Il est niveau combien? Est-ce que je peux voir son niveau mec? C'est quoi son blaze? Arrête. Il s'appelle comment? Zema il s'appelle. Belle petite coupe au passage. Est-ce que je peux y aller là? Oui je peux y aller là, vas-y. Allez. Non non je pense pas. Je pense pas que je peux lui faire mal. Je pense que je fais pas super mal. Attends, il est peut-être AFK là. Il me parle en quelle langue là? Voilà. Mais est-ce que je lui fais mal là? J'ai pas l'air hein. En tout cas il me parle en hiéroglyphe. Bon frérot, voilà. Allez ciao. Oh là là. J'ai fait une bêtise. Faut pas que je commence à parler à des cinglés pareils moi. Moi je veux mon petit bateau basique à 1000 et on part à l'expédition. C'est parti les mecs. Bon, on va où? Droite, gauche, on va où? Là-bas je pense que c'est un peu l'endroit de départ. Bon après le problème c'est que je suis niveau, enfin je suis pas niveau 100 encore. Donc je pense que je peux potentiellement être assez limité. Je pense que ça aurait été bien plus intelligent de ma part de simplement farmer et farmer. Ah ici c'est l'endroit de bah de tout à l'heure en fait, donc c'est pas ouf. Vous savez quoi? Je pense qu'on va aller au petit volcan là-bas là. Je pense que là-bas au petit volcan on peut aller voir des choses plutôt cool. Oh c'est quand même bas de long hein. Et si j'arrive là-bas et qu'il y a des niveaux 400 000 je pète mon crâne. Après vous inquiétez pas, moi et ma massue on est là. Bon par contre je sais pas pourquoi je suis en train de lécher le bail. On va dire qu'il y a de la protéine. Oh mais attendez, j'avais été ici. Et je crois que c'est du niveau 300. Mais oui, c'est ici que j'avais farmé dans mon coin. C'était super à farmer et ça me donnait pas mal d'XP ici. Attends, ils sont niveau combien les bugs? Ils sont niveau 300 hein. Et moi je faisais ma petite technique de les frapper, voilà, de les attirer. Bon par contre, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, je prends une torgnole, je suis plus de ce monde. Donc il faut que je fasse gaffe. Il faut que je sois très intelligent sur ce que je fais. Mais logiquement, regardez-moi, je fais simplement ça et je peux les farmer en toute simplicité. Bon, je pense que c'est pas spécialement rentable hein. Autant prendre les missions de là-bas niveau 80. De toute façon, on va voir si ça me donne plus d'XP. Si ça me donne plus d'XP, je reste ici. Si ça me donne pas plus d'XP, je pense que je vais retourner à l'endroit de tout à l'heure. Et on va farmer le niveau 100. Et boum! Oh là là, mais frère, je le découpe! Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'en tue 3 par 3 en fait. De toute façon, on va voir. Je vais passer du niveau 82 à combien? J'ai l'impression que là, c'est une farm automatique là. On est dans Minecraft. Et là, et boum! Oh là là, les torgnoles! Oh, 17 000 d'XP quand même, hein. Bof! En vrai, je pense pas que c'est spécialement rentable. Après, je pense le seul moyen d'être rentable quand on fait ça, c'est d'aller frapper des niveaux 500. Parce que là, bon, si je veux prendre la quête, je pense que je suis refusé à l'entrée. On va tenter, hein, mais je pense que bon, voilà. Niveau 300. Bon, voilà, ça. Bon, voilà, je me suis fait refuser. Ability Teacher, c'est quoi ce truc là? Quelle capacité spéciale aimerais-tu apprendre? Oh, l'obé. Mais moi je veux l'aura. 25 000 $. Est-ce que je peux l'apprendre? Oh, j'ai appris un enchantement. Attendez, je dois aller dans mes items. Je dois aller où là? Les stats? Non, peut-être pas. Attendez, j'entends des épées. Il y a un bug ici là, non? Est-ce qu'il y a un mec ici? Oh là là, j'entends un samouraï qui se bat. Bon, le problème c'est que bon, si je veux le défier, je pense que je meurs. Bon, j'arrive même pas à monter ici là. Ah si, je peux monter. Ah si. Niveau combien ici? Ils sont niveau combien? 325. Ok. Oh, je peux rentrer à l'intérieur du volcan. Oh, let's go. Y a quoi? Attends, est-ce que je brûle? Oh là là, je brûle. Y a pas de boss, y a rien ici. Par contre, comment je fais pour utiliser mes pouvoirs? Eh bah nickel, j'ai l'impression que je me suis fait voler 25 000 $. Bon, en tout cas, on va voir. Est-ce que eux, si je les tue les trois, ils sont rentables? Par contre, j'espère que je vais pas tomber sur des mecs qui, comment dire, qui tapent de loin. Parce que là, je tombe sur des mecs qui tapent de loin. Je suis, voilà, je suis un petit peu dans le pétrin. Hein. Oula, 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 ils ont l'air d'avoir des attaques. Hein. Ils ont l'air d'avoir des attaques. Ça a l'air d'être des ninjas. Oh mon dieu. Ah non. Eh, vas-y, moi, j'arrête mes bêtises, moi, je me taille. Oula, les frérots, il y avait deux bateaux, mais d'accord. Là, il y a un sacré problème. Eh, vous savez quoi? Moi, je vais rentrer à la casa. Bon, logiquement, j'attends 5 secondes et je rentre au village des pirates. Voilà, nous voici, nous voilà.
Oh, mais attendez, on va faire un test. Je me rappelle que eux, je galérais quand même pas mal. Est-ce que là, si je fais tac. Oh, quand même, hein. Ah oui, non, non, c'est bon. je les monte en l'air. Oh, y'a Bobby. Est-ce que maintenant, contre Bobby, je galère. Attendez, on va aller prendre la petite mission de Bobby. Est-ce que maintenant, je peux toujours avoir un peu de mal contre ce bon vieux Bobby? Allez, on prend Bobby et on confirme Bobby. Allez, viens là, Bobby. What? Non, non, non. Ah, mais ouais, chilou, mon Bobby. Arrête. Il est en train de sécher, Bobby. Il faut que j'aille tuer Bobby aussi, moi. Mais arrête de tuer Bobby, sale chien. Mais pour la peine, tiens, prends-toi ça. J'en ai rien à faire. Voilà. J'en ai rien à foutre. Voilà. On va se battre. Voilà. Moi, je suis un chad. T'as beau avoir des millions sur ton dos, je m'en fous, moi. C'est bon, je rigole. Il est pas drôle, hein. Il est pas drôle, toi. Hein. Il vient de me péter mon Bobby, bordel. Et le problème, c'est que Bobby, il respawn pas, Bobby, en fait. Est-ce qu'il veut me parler maintenant, le mec riche? Égare-toi, super. Ah mais eux, ils sont trop faciles pour moi. Ils sont plus de mon niveau. Check-moi ça, la rafale. Super, y a plus de Bobby. Mais pourquoi y a des mecs niveau 499 milliards qui ont des primes, la peur sur leur dos, qui viennent farmer dans les mêmes zones que moi, bordel. Je sais pas si on s'en rend compte de la dinguerie que c'est quand même. Bon je dois annuler ma mission de tuer Ah, je meurs. Oh là là, pourquoi je meurs ici? Je comprends rien à ce jeu. Bon redonne-moi un bateau, s'il te plaît. Je dois partir à l'expédition. En fait, il faut que je trouve des marchands. Peut-être que je vais avoir des épées de zinzin de l'espace si je me balade. Là, il faut vraiment que je fasse pirate des Caraïbes. Oh, y a un bateau. On va faire comme dans Sea of Thieves. On va rentrer dans son bateau et on va lui voler ses ressources. En plus, il a l'air d'avoir un bateau moins bien que le mien. Oh, est-ce que je peux me battre en pleine mer? Allez, viens là, mon gars. J'aurais dû ramener Shawen. Il aurait pris les canons. Il l'aurait canardé. T'inquiète pas, mon gars. J'ai de foncer dessus comme le Titanic. C'est un iceberg. Bon, par contre, frérot, si tu vas là-bas, VS des niveaux 300 avec un bateau gratuit, faudra aller se faire voir. Hein. Je vais tenter de faire ami avec lui. C'est qui ce boug? Il est quelle race? Moi, je suis un lapin. Je suis un lapin. Allez, viens dans mon bateau là. Je vais lui faire une queue de poisson. N. Il s'appelle comment lui? Voilà. Allez, viens dans mon bateau là. Allez, viens. Mais oh, qu'est-ce qu'il fait? Mais oh, allez viens là. Est-ce que je lui fais des dégâts? Je sais même pas si je lui fais des dégâts. Arrête, je rigolais. Oh, je peux le tuer. Oui, allez, il faut que je tente. Il a l'air de faire mal quand même, hein. Allez. Non. Mais wesh. Mais il est pas drôle. Va te faire voir. Mais pourquoi ils ont des attaques de l'espace alors que moi, vas-y. Moi, j'ai une sacrée matraque. Et mon gars, tu vas le payer. Je vais revenir. Bon, là, je dépense de la thune de façon idiote. Mais bon, c'est pas grave. Ça va pas se passer comme ça, mon Joe. T'as réveillé le fou en moi. Ah, il est ici. Le combat. Je vais revenir. Qu'est-ce qu'il veut, lui là? Attends, il faut que je fasse ami. On est amis. Non, arrête. Ouais, c'est un taré. Allez, casse-toi de là. Eh, bouge d'ici là. Je vais prendre mon canon. Est-ce que je peux prendre mon canon? Arrête, wesh, il est malade. Arrête. Laisse-moi arrête, s'il te plaît. Mais oh, arrête, c'est Gara ou quoi? Tu veux me défier ou quoi là? Arrête. Oh la honte. Allez, ciao la honte. Il est trop nul. Allez, je me tire. Oh, le pas drôle. Il est en train de venir. Oh là là, l'harcèlement. Ah, mais ça va 2 minutes, hein. Bon, moi, il faut que j'aille, on va dire, derrière ça. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai quand même acheté de l'aura. Bon, je sais pas à quoi ça m'a servi d'avoir cette aura, mais dites-moi en commentaire comment j'équipe l'aura. Arrête, je me fais bombarder. Ah non, c'est peut-être moi qui est un peu fou. Bon, par contre, je sais pas s'il y aura d'autres choses vers là-bas, en fait. Oh là, j'ai peur de partir au large et de me perdre. Il y a l'air d'avoir vraiment zéro heal. Ah, mais regardez ça, en fait, si je fais des clics gauche, je peux tirer. Donc en fait, personne me tirait dessus, c'est moi qui me tirais dessus. Bon, allez, on arrête les bêtises. C'est bon, je reviens à ma casa. C'est bon. Oh, il y a Bobby, attendez. Elle a, s'il vous plaît, ne me volez pas mon Bobby. C'est mon Bobby, c'est le mien. Allez, viens là, Bobby. Viens, Frontin, va le regarder, Bobby. Oh là, je le marbre. Je suis en train de marbrer Bobby. Ah, tu vois plus le jour, hein. Tu m'as connu faible et maintenant je suis un chat. Oula, on se calme, Bobby. Ouais, il fait quoi ce taré? Tu fais quoi, le taré? Arrête. Non, Bobby, on se calme. Voilà. On fait pas le mariole, Bobby. Niveau 84 quand même, hein. Le problème du forgeron, c'est que je pense que j'ai pas les matériaux pour. Ah, est-ce qu'en fait, regarde, j'ai pas mal de cuir, mais malheureusement, au niveau des ailes, je n'ai pas grand chose. Eh, mais autant prendre ça, en fait. J'ai l'impression que c'est pareil. C'est la même rapidité. Bon, moi, je vais me rendre au désert et les mecs, on va farmer le niveau 100 de Block Street. Et pour ne pas faire de bêtises, je vais activer mon set spawn ici. Comme ça, on va respawn ici quand j'en aurai envie. Allez, mon bon vieux Indiana Jones. Tu me raboules les officiers du désert. Mais attendez, mais qu'est-ce que je fais là, moi? Mais pourquoi? Mais les frères, dès que je croise un pirate, je me fais monter en l'air et pourtant, c'est moi qui vaut des pesos. Après, peut-être que les affiches, c'est deal en deal, hein. On va espérer ça parce que bon, moi, je vais pas payer pour ça. Hein. Et on passe enfin le niveau de l'épée au niveau 200. Hop là. Oh là, 211, mes frères. Bon, je pense que je fais n'importe quoi. Hein. Là, vraiment, je fais comme tous les débutants qui mettent simplement des points dans l'attaque. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je vais me prendre une tarte de cowboy. Attendez, est-ce que j'augmente niveau de la thune? Je sais pas. Et on vient aussi de passer les 100 000 dollars. Et ça se fait. Bon, je pense vraiment qu'il faudrait que je commence à mettre un petit peu dans mes blocks fruits. Enfin, dans mes fruits, niveau de l'arbre. Parce que bon, forcément que les fruits ont une utilité, en fait. Donc, c'est pour ça que je vais mettre mes premiers points dans mes blocks fruits. Bon, actuellement, bon, je pense que ça sert à rien. C'est peut-être pour ça que mon fruit est cataclysmique aussi. Parce que bon, il était niveau 1. Oh, niveau 91, les mecs. Et regardez-moi ça. Niveau de ma boussole, ça m'indique quelque chose d'autre. Bon, 6 stats. Vous savez quoi? Je veux au moins avoir un petit peu dans l'épée. Voilà. Un petit peu. Et du coup, là, je peux me barrer là-bas. Oh, c'est là-bas. Nouvelle zone. Let's go. Allez, mon bot dealer. Raboule-moi mon basique. Là, on se la pète quand même. Hein. Je veux arriver avec un sacré bateau, là. Là, on prend pas
n'importe nawak. Bon, je pense clairement que prendre des bateaux comme ça quand t'es tout seul, c'est que du flex et c'est nul. C'est comme si tu voyages dans un jet privé alors que tu fais Paris-Monaco, quoi. Oh là là. Est-ce que là-bas va y avoir des épées? Va y avoir des fruits du démon? Je n'en sais rien et on verra ça dans quelques secondes. Ah, mais c'est pas là, c'est là-bas. Parce que ici, je crois, c'est l'île de base, non? C'est l'île où j'ai eu mon fruit. Bon, je vous remercie pas, hein, il est pas non plus insane le fruit. Mais en tout cas, ouais, c'est bien là-bas. Je dois aller à 250 mètres. Parce qu'en vrai de vrai, avec 135 000 dollars, je pense que je vais pouvoir faire des choses. C'est quel genre de biome ça? Oh, un biome enneigé, on dirait Minecraft. Allez, on y va, village gelé, c'est parti. On va y mettre le spawn comme ça, on fait pas de bêtises. Hop là, allez, raboule-moi mon spawn avec ta dégaine de cowboy là. Du coup, il donne combien les coffres ici? Il donne 200, ok, c'est nul. C'est quoi ça? Oh, oh, j'ai trouvé un fruit. C'est quoi? Je peux le manger? Oula, le fruit de la lumière. Les mecs, on va manger le premier fruit. C'est parti, les mecs. Que voulez-vous faire avec ce fruit? Ah, j'ai peur. Vous savez quoi? Je connais rien, mais on va le bouffer. Allez, Lined, t'es en train de manger le fruit. Je mange un fruit du démon. Il se passe quoi? Oh, c'est quoi? Oh, c'est bien ou pas les mecs? Est-ce que c'est bien ce que j'ai eu là? Oh là là, une épée de ouf. Enfin, c'est plutôt un. Mais je suis tort là. Je suis dieu là. Bon, comment je peux monter là? Voilà, on y monte quand même une petite souris. Niveau combien ici? Niveau 90, ok. Et du coup, attendez, est-ce que je fais mal? Bon, je pense pas. Hein. Je pense que ça va être un peu ridicule au démarrage. Du coup, attendez, si j'envoie les pouvoirs. Oh. Bon, c'est encore un peu nul. Mais c'est parce que j'ai pas encore level up. Oh, sword deal. Oh, mais wesh. Bon, frérot, on se calme, frérot. Tu me laisses tranquille, frérot. Ou je t'envoie des parpaings pleins de la bouche, frérot. Regardez-moi ça, il a voulu m'affronter. Oh, il y a un nouveau mec. Combien de dollars? 4000 dollars. Oh, bah, je crois que c'est le mec qui m'a défoncé dans le bateau. On se calme. Et regardez-moi comment je le détruis facilement là. Bon, du coup, il y a quoi ici? Il y a le villager pour les quêtes, ça c'est cool. Et là, il y a le sword deal. Oh, bah tiens, Sigman. Non, on peut aller voir les mecs malades. Ils ont quoi à me proposer? Un tuyau, ça coûte combien un tuyau? 100 000. Eh, vous savez quoi les mecs, on a qu'une vie, c'est parti, on l'a acheté. Oh, j'ai acheté un tuyau, frère. Oh là là, je suis armé canon. Regardez-moi ça les mecs. Boum. Est-ce que ça fait mal? Ça a l'air quand même, hein. Mais ça a l'air de faire super mal. Et là, boum. Ouais, ça fait des dégâts de dingue. Après, bon, non, mais c'est normal, je suis bête. Faut pas oublier que j'ai quand même 217 dans les épées, quoi. Donc c'est un peu normal. Le problème, c'est que là, c'est un peu plus du corps à corps. Donc j'ai peur de perdre des. Mais wesh, niveau 9 de maîtrise déjà. Par contre, j'aurais bien envie de monter bah mon fruit que j'ai là. Parce qu'il y a quand même sacrément beaucoup de bail. Et en plus, il était gratuit. Oh là là, mais regarde comment je l'ai détruit. Ah, mais je suis bête. Attendez, on va aller prendre des quêtes pour XP beaucoup plus rapidement. Allez, les bandits des neiges, les banditos. 90 000 XP quand même, bordel. Oh là 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 là, je prends même pas de dégâts. Est-ce que je peux en prendre plusieurs à la fois? Allez, venez les Joe. On va farmer les mecs. En plus, il faut que j'en tue 7 quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. Et là, boum. Oh là là. Mais wesh, j'esquive tous leurs coups ou quoi là? Et vous savez quoi? Et boum. Oh là là, les tartes de cowboy. J'esquive tous les dégâts ou quoi? Attendez, mais quoi? Ouais, c'est mon fruit du. Mais quoi? C'est quoi ce fruit du démon du chétan? Enfin, on est d'accord, c'est le fruit du démon, non? Mais c'est trop stylé! Mais c'est le meilleur fruit que je peux avoir! Je prends aucun dégât des mecs! Et mon tuyau est quand même niveau 21! Bon, je devrais peut-être farmer mon fruit du démon en fait. Je sais pas ce que je fais là. En tout cas, niveau 92. De toute façon, je vais absolument mettre tout dans mon fruit du démon, les mecs. Et je vais aller voir le mec malade. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Ah bah, je vais aller l'aider. Tu veux quoi, mon Joe? J'ai tellement soif. Bah, tu veux que je te. Bon, non. Je l'ai lu, voilà. Je vais lui faire quelque chose dans la bouche, mais non. On va éviter. Après, s'il a soif, voilà. Hein. Il prend ce qu'il a à prendre. Hein. Divers, c'est quoi ça? C'est la niche à Chawen. Est-ce que. Non, mais les frérots. Bon, le racketteur racketté là, c'est pas ouf. Et du coup, je vais accepter une quête, moi, c'est trop facile. En fait, j'ai simplement à tous les frapper et à prendre des Gucci. Hein. Bon, par contre, je sais pas ce que je dois faire. Soit je prends mon tuyau et je lui mets des tatanes dans la bouche. Ou alors je prends carrément mon fruit du démon et je frappe. Vous savez quoi? On va tenter de prendre le fruit du démon et frapper. Vous êtes prêts, les mecs? Oh, je peux voler. Oh, trop stylé là, boum. Ouais, c'est trop fort. Il est tellement fort le fruit du démon là. Donc là, vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum. Bah. Bon, par contre, les tuer, ça prend du temps. Hein. Après, j'ai un peu fait n'importe quoi au niveau de mes points, je pense. Parce que là, je suis sûr que ça, avec un fruit du démon, level up au max. Mais je peux, mes frères. Je fais ça et boum, y a plus personne. Sauf que là, y a encore du monde. Mais bon, de toute façon, on doit l'XP. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Après, ce qui pourrait être intelligent, c'est simplement de farmer avec ma sword. Et tous les points que je récupère, je les mets dans mon fruit du démon. Ça pourrait être pas mal, ça aussi. Parce que là, on est en train d'XP quand même en mode 500 de l'espace. Hein. Niveau 19 quand même, niveau de la maîtrise. En plus, y a des coffres limite tout le temps. Donc là, c'est l'infini. Ouais, je pense que c'est 100 fois plus rentable de faire ça. Bah ouais, t'es mal, moi, les dégâts, mon frère. T'es mal, les dégâts. Et en plus, regardez-moi ça. En bas à droite, c'est fracas de terre. Oh là là, je vais pouvoir faire des coups, t'as peur. Des coups à la René la taupe. Donc oui, c'est bien plus rentable de monter mon tuyau et de simplement mettre tous mes points dans mon fruit du démon. Parce que là, en soi, si le tuyau il fait mal, c'est simplement parce que je suis niveau 200. Sinon, il ferait vraiment zéro dégâts. Et voilà, on a terminé la quête. Et on peut mettre 6 nouveaux points dans le fruit du démon. En fait, je bouge pas, je tape, hein, je pourrais carrément mettre un petit autoclic. Hein. Et là, dès qu'il m'énerve, brr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 
face à lui, non? Je veux faire le marolais avec qui, toi, dégage! C'est chez moi ici, garnement! Quoi? Mais oh, c'est chez moi, frérot! Mais regarde-moi sa cape, là, il est prêt à faire aller dans un cabaret, lui. Il va pas me voler mes bails quand même, oh! Le mec, il a une cape! Ah oui, on a pas le même niveau, ah oui! Je vais rester à ma place, moi. On affronte pas les mêmes boss, hein. Mais bon, c'est une question de temps, mon gars! Il a l'air aussi d'avoir un sacré tuyau, hein. En tout cas, je pense que s'il voit comment moi je tue mes boss, ça va l'impressionner. Parce que moi, je m'impressionne, c'est le principal. Non, mais dites-vous quand même que avoir un tuyau, c'est plus fort qu'avoir une massue? Ça, c'est bizarre quand même. Oula, mais wesh, c'est Sangoku, là. Et on est quand même niveau 98, on est bientôt au niveau 100, les mecs. Arrête! Wesh, il m'a découpé! Heureusement que j'ai mis mon spawn ici, bordel, hein. Oh, bah qu'est-ce que tu fais là, toi, mon Joe? Je vais t'aider, t'inquiète pas. Je vais t'aider à monter. Bon, tu monteras peut-être pas en haut, tu monteras peut-être plus en haut, mais tu monteras, hein, plutôt ton âme. Mais par contre, faut m'expliquer qu'est-ce qu'il fait là-bas, en fait, lui, là. J'ai l'impression qu'il veut simplement flex. En plus, il a essayé de communiquer avec moi, sauf que sa langue, on dirait des hiéroglyphes. Oh là là, on va passer niveau 100 sur lui! Le niveau 100! Et c'est maintenant, les mecs! Oh là là, nouvelle quête! On se calme, oh! C'est vraiment un prouveur, ce type, hein. Il m'énerve, hein. Mais oh, le prouveur! La vie de ma mère! Il m'envoie des missiles téléguidés en plein dans la tronche. Fais le malin, t'inquiète pas, tu l'emporteras pas au paradis, ça. Oh, le flex, oh là, comme il se la pète! Oh là là! Bon, en tout cas, il faut que j'en tue vite, mais oh, mais arrête! Oh, le pas drôle! Je veux les tuer aussi, hein. Je suis pas là pour te faire du mal, moi. Ah, j'en ai eu un seul, je lui en ai volé un. Chah! Je veux dire my zone! C'est ma zone! On va voir ce qu'il va me dire. S'il me répond en russe, il faut aucun effort, hein. Et je prends vraiment aucun dégât, même d'eux. Oh là, comment je leur mets des tarnioles! Il m'a répondu dans sa langue, non mais vraiment aucun effort, le boug. Faut aller se faire voir, hein. Il a essayé de me le voler dans c'est le mien, celui-là. C'est le mien, jeune homme. Comment il se la pète? Quand je serai niveau 50, je serai pareil que toi, là, t'inquiète pas, moi. Tu veux faire le malin? Regarde, regarde-moi ce que j'ai, moi. T'es ma ce que j'ai, moi. Et pourtant, je me la pète pas. Oh, c'est qui, lui? Oh, c'est le boss. Oh, c'est comme Bobby. Oh, il m'a... Ah, wesh, 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 wesh. C'est qui m'a tué? C'est le Yeti ou c'est lui? Le problème, c'est que vu qu'il est pas drôle, je sais même pas si c'est bah lui ou bah je pense que c'est lui en vrai, hein. Oh, bah tiens. Salut, frérot. De toute façon, là, il me manque ça. Oh, bah, attends, j'ai un nouvel item. Oh, le Yeti fur, c'est quoi ça? Ah, mais c'est un. Ok. C'est comme du cuir. Tu veux quoi, toi? On peut pas communiquer ensemble. On a pas la même langue. Oh là là, il est pas drôle. Bay. Oula, j'espère que c'est pas. Il veut pas dire baby, là. Je suis pas là pour te frapper, moi. Hein. Oh là, il me fait peur, là. Mais quoi? C'est quoi ça? Quoi, il peut voler? C'est quoi ce flexeur? Mais lui, vraiment, il veut simplement montrer qu'il a des choses, hein. Les mecs, si un jour je suis comme lui, enfin, c'est moi, hein. Putain, y a des mecs en bateau. Et voilà, on va le tuer et boubabinx. On peut mettre 6 nouveaux points là-dedans. Vous savez quoi, les mecs? Je vais farmer le 50 de la maîtrise et on se retrouve. Quand je l'ai farmé. Oh bah, je viens de débloquer une nouvelle quête. Attends, c'est quoi? Oh, mais c'est le Yeti! Bon, on va l'apprendre, hein. C'est bien mieux d'affronter des Yeti que d'affronter d'autres choses, hein. Bon, le problème du Yeti, c'est que je pense. En fait, contre le Yeti, j'ai l'impression que je suis pas invincible. On va faire un test. Voilà, voilà, voilà. Je suis pas invincible. Et donc pour battre des Yeti, on prend la massue. Bah en fait, je sais même pas du coup s'il me rend bah invincible en fait. Mais logiquement avec la massue là, voilà, là y a aucun problème là. Voilà, il faut quand même que je fasse gaffe, hein. Mais wesh, il fait quoi? Il fait quoi, cet taré? Non mais je vais le tuer en 40 milliards d'épisodes là. Il est sacrément coriace. Oh, y a le mec là, vas-y, aide-moi. Arrête. Et oh mais comment il se la pète tous? Arrête, reste calme. Il est compliqué à tuer, le Yeti, hein. En plus, vu que j'ai pas mon tuyau, bah malheureusement, bah je le level up pas. Bon, de toute façon, si je joue un petit peu en mode voilà, un petit peu un mec un petit peu un peureux, bah je le tue facilement quoi. Mais c'est pas très drôle. Là, je m'amuse pas spécialement là. Bah super. Et du coup là, je fais ça et là boubabinx. Voilà. Et wesh, oh, l'XP de ouf que j'ai gagné par contre. Et là, on peut reprendre mon tuyau et on est plutôt Gucci. Bon, par contre, je vais reprendre des petits bonhommes de neige, hein. En tout cas, 9 nouveaux points. On commence à avoir pas mal de points dans Fruit Blocks. Bon bah là, en tout cas, on va passer niveau 110. Je sais pas si on va avoir une nouvelle quête et la réponse est non. Mais en tout cas, mon tuyau, je vais l'avoir niveau 50 dans quelques secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Je vais l'avoir maintenant. Boum. Donc là, j'ai le fracas de terre. Est-ce que si je mets une tornade comme ça, boum. Quoi? Oh non, non, il faut viser. Ça, c'est chiant, ça, par exemple. Du coup, attendez, là, si je vise bien, là, boum. Ça le fait voler, ok. Oh, je m'attendais à mieux. Mais en tout cas, je mets mes points dans le block street. Et voilà. Les mecs, si vous avez kiffé l'épisode, mettez votre like. Ciao, les mecs. C'est Lined et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes. Donc, partage à tous tes potes. Ou bien même à ta daronne. C'est Lined et Shawen. C'est Lined et Shawen. Tu t'abonnes et tu likes. Sinon, je te mets une steak.